Bonjour et bienvenue. Comme maire du 11e arrondissement, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue dans cette salle qui nous sert habituellement de salle des mariages. Peut-être cela préfigure le mariage entre la Catalogne et Paris, pourquoi pas. Ce serait un beau symbole. En tout cas, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir ce soir, après la belle cérémonie que nous avons connue ensemble ce matin pour donner le nom de Nois Catala à un morceau de l'espace public de notre arrondissement sur le boulevard de Charonne, une allée, une ramblas, comme disait Frédéric Calandra, ma collègue du 20e arrondissement ce matin, un lieu où il fait bon vivre, porte maintenant le nom de Nois Catala. Et avant d'aller plus loin, je voudrais très chaleureusement remercier tout d'abord la délégation du gouvernement de Catalogne en France et vous, monsieur Daniel Camos, qui conduisez cette délégation. Vous êtes à l'origine de cet événement. Je voudrais aussi remercier Elisenda Belenger, qui est l'auteur qui est l'auteur de Nois Catala, Mémoire et Lutte. Remercier Ambra Lorenzi, la présidente du comité international Ravensbrück. Remercier aussi Tiphaine Catalan, qui est ici, qui est doctorante à l'Université de Paris 8, et Mercedes Justa, qui est professeure d'histoire à cette même université, ainsi que Montserrat Lior, qui est journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur la mémoire historique. Et puis évidemment, adresser un salut très cordial au député Juan Josep Nuet, qui nous fait l'amitié de sa présence, et puis à la chanteuse Marina Rossel, qui a si magnifiquement interprété ce chant ce matin. Je crois que ce soir, nous allons encore avoir la chance de vous entendre. Et puis, bien évidemment, adresser une bienvenue toute particulière et particulièrement chaleureuse à Margarita Catala, pour laquelle je pense que ça aurait été une journée mémorable. Mais c'était le but aussi, c'est que cette journée reste dans nos mémoires, une belle journée, qui soit tout entière tournée autour de la mémoire de Nois Catala, et qui nous aura permis de rappeler combien elle fut une femme extraordinaire. Elle a été, cela a été rappelé ce matin, à travers les épreuves qu'elle a traversées, mais aussi, et j'allais dire surtout, à travers ses engagements, à travers les valeurs qu'elle a constamment servies au travers de l'ensemble de sa vie, ses combats, son courage, qui ne lui ont jamais fait défaut. Et peut-être rappeler très brièvement, je vous rassure, mais les grands traits de ce parcours pour les personnes qui n'auraient pas été là ce matin. Ce fut une militante communiste qui n'avait pas 15 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand elle a lancé la première grève de village pour justement exiger l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Et en 1939, lors de cette retirada, elle traverse les Pyrénées avec une colonie de plus de 180 enfants dont elle avait la charge en tant qu'infirmière. Elle arrive en France avec toutes les difficultés que cette retirada a rencontrées en arrivant sur notre sol. Elle trouve refuge néanmoins et elle s'installe en Dordogne. Et c'est là où, passant d'une guerre à l'autre, de cette guerre d'Espagne à la Seconde Guerre mondiale, elle va résister de toutes ses forces. Son action au sein de la résistance lui vaudra d'être arrêtée, interrogée, déportée au camp de Ravensbrück. Et là-bas, elle continuera toujours de résister par des opérations de sabotage, notamment sur les munitions qu'elle était contrainte de produire. Au sortir de la guerre, elle continue de militer contre le franquisme et mènera en parallèle un travail extraordinaire de mémoire avec la publication d'un ouvrage, « Ces femmes espagnoles de la résistance à la déportation, témoignages vivants de Barcelone à Ravensbrück », ouvrage dans lequel elle a recueilli les témoignages de 56 femmes femmes espagnoles qui ont participé à la résistance en France. Ce sont toutes ces femmes, celles Nois Catala bien sûr, mais je veux associer la mémoire de ces 56 femmes et au travers d'elles, celle de toutes les femmes qui se sont engagées
dont le travail et les combats inspirent le respect, forcent l'admiration. Et ce sont ces combats qui seront abordés ce soir. Et je suis vraiment, encore une fois, très heureux que notre arrondissement puisse leur rendre hommage à travers l'accueil de cette cérémonie et pour que nous puissions, de cette discussion, et pour que nous puissions ainsi entretenir et faire vivre le souvenir de leur mémoire pour que nous n'oublions jamais leur engagement, jusqu'où elles ont été prêtes à aller, et que cela nous serve de leçon, parce que nous disons souvent il ne faut pas que l'histoire se répète, mais nous savons très bien qu'elle a tendance à bégayer trop souvent. Et c'est notre responsabilité à chacune et chacun d'entre nous, dès lors que nous entendons ces histoires, que notre esprit s'ouvre en voyant comment ces personnes ont réussi à se dresser pour lutter contre l'innommable, eh bien c'est à nous maintenant de reprendre le flambeau de ces combats et de savoir nous dresser contre notre pays ou nos pays ou notre continent ne se montre pas à la hauteur pour faire vivre les droits humains dont nous avons été la patrie et dont j'espère nous pourrons continuer à dire que nous le serons très longtemps. Merci à tous et bienvenue pour cette belle soirée. Bonsoir tout le monde, monsieur le maire, et monsieur Nouet, secrétaire général du Parti communiste de Catalogne et député en ce moment encore pour quelques jours, je pense, au Congrès espagnol, et monsieur Peris, délégué du gouvernement de Catalogne en Tarragone, et autorités, mesdames et messieurs, amigas y amics, je m'appelle Daniel Camos et je suis le délégué du gouvernement de Catalogne ici en France. Je voudrais commencer par vous remercier d'être venus aussi nombreux dans cette magnifique salle de mariage qu'on appelle, non, ici à l'11e arrondissement. Et on avait peur que la salle soit trop petite pour l'intérêt que Neus Catala pouvait susciter. Je pense que ça commence à être le cas. Donc, les retardataires, je vous encourage à bouger de l'autre côté de la salle pour que ceux qui viendront après puissent rentrer aussi. Permettez-moi tout d'abord de commencer par remercier les partenaires de l'organisation de cette soirée, donc évidemment la mairie de l'11e, je viens de le dire, pour l'accueil dans cette salle, mais aussi l'amicale de Ravensbrück, fondée à Barcelone en 2005 par Neus Catala, entre autres, et évidemment aussi l'amicale de Ravensbrück et des commandos dépendants ici en France. Je voudrais aussi remercier évidemment Montserrat Diol pour avoir accepté de modérer cette table ronde avec des intervenantes aussi riches. Mercedes, Ambra, Elisenda et Tiffaine aussi pour avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Et finalement, un grand merci très 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 spécial à Margarita. Depuis, ça fait quelques mois qu'on échange pour des sujets divers et je voulais te remercier pour ta gentillesse, ta coopération, toujours pour entre autres avoir fait que la soirée d'aujourd'hui puisse être profiteuse pour tout le monde. Monsieur le maire l'a évoqué aussi, on a le privilège ce soir d'avoir Marina Rossell entre nous. Et je pense que je n'exagère pas du tout si je dis que c'est une des plus belles voix de Catalogne. Moi, quand j'avais 5 ans, je me rappelle d'être dans la voiture et mes parents mettaient Marina Rossell. Donc, c'était une petite anecdote, permettez-moi de partager avec vous, que je lui ai dit le jour que je lui ai demandé de venir. Je lui disais, moi, quand j'avais 12 ans, j'habitais à Bruxelles. Et un jour, Marina Rossell était venue jouer à Bruxelles. Et j'étais le typique comme préadolescent, on m'avait demandé d'aller lui donner les fleurs à la fin. Je mourais de honte, j'avais pas du tout envie, mais bon, mes parents m'avaient un peu poussé. Donc c'est la seule fois que j'avais eu le privilège de la voir en direct. Donc ce soir, nous rendons hommage à Neus Catala, mais nous commémorons aussi le 81e anniversaire évidemment de la retirada, les déportés et les femmes résistantes. Le président de la Commission de la vérité et la réconciliation sud-africaine, et M. Desmond Tutu, non, qui était aussi prix Nobel de la paix, aimait dire que la vérité peut faire du mal, mais que l'oubli tue. C'est bien pour cela que, dans les dernières années, le gouvernement catalan a commencé à prendre, je dirais, particulièrement au sérieux tout le travail de mémoire démocratique.
Et une personne clé dans tout cet exercice de faire et réémerger en quelque sorte de la mémoire est un monsieur qui s'appelle Raoul Romeva, qui a été le ministre de l'Action extérieure catalan en 2016 et 2017, donc le prédécesseur, si vous voulez, de monsieur Bosch, qui était là ce matin pour l'inauguration de l'Aleneus catalan. Et lui, il était aussi responsable du dossier de la mémoire. Et je voudrais un peu lui rendre hommage aussi ce soir, parce que seulement dans la première année, par exemple, de monsieur Romeva dans ce poste, nous avons récupéré en Catalogne plus de restes humains et ouvert plus de fosses communes de ce qu'on avait réussi à faire dans les 40 années précédentes. M. Romeva a aussi préparé la loi de réparation juridique des victimes du franquisme, qui a été approuvée par le Parlement catalan en 2017, et où il a eu un certain nombre d'initiatives, disons, qui ont été particulièrement marquantes pour essayer de faire que le dossier de la mémoire monte vraiment en surface et on fasse tout ce qu'on devrait faire avec tout ça. Je voudrais donc finir cette intervention, si vous me le permettez, en vous lisant quelques mots que Raoul Romeva nous envoie depuis la prison, où il est malheureusement fermé depuis presque 600 jours. Voici les mots de Raoul. La dernière fois que je suis venu à Paris, c'était le 17 juin 2017. Avec la mère Hidalgo, nous avions rendu hommage à celui qui a été les yeux de l'humanité au camp de Mauthausen, Francesc Boix, en l'enterrant avec honneur au cimetière Père-Lachaise. Aujourd'hui, c'est un jour similaire en ce qui concerne la reconnaissance et le souvenir, cette fois-ci à Neus Catala. Une personne que j'ai aimée, et c'est pour cela que je veux vous remercier de me permettre, à travers ces quelques mots, d'être parmi vous aussi ce soir. En Catalogne et dans l'État espagnol, cette tâche est immense, de récupérer, de reconnaître, et elle aurait dû se faire dans le pire des cas au moment de la récupération du système démocratique. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas, et les institutions ont jusqu'à très récemment fait très peu pour que le passé soit reconnu, et nous n'avons toujours pas été justes avec ces personnes. Récupérer l'histoire n'a pas pour objectif d'agiter des vieilles rancunes ou d'ouvrir des plaies fermées. La récupération de la mémoire est en lien avec notre dignité d'aujourd'hui, avec la qualité de notre système démocratique actuel, avec la densité de notre coexistence et avec la forteresse de notre identité. La perspective du temps nous facilite la retrouvaille et la concorde, et il est indispensable de savoir réfléchir et comprendre les faits pertinents de notre passé, parce qu'ils nous expliquent une bonne partie de notre présent et ils doivent nous permettre de construire un futur meilleur. Ceci est d'autant plus important dans le monde en crise dans lequel nous vivons, que ce soit sur la difficulté des projets communs pour l'Europe, par exemple, ou sur les guerres dévastatrices, des exils et des réfugiés dont témoignent aujourd'hui les rives de la Méditerranée. Il est donc plus convenable que jamais que nous profitions de la mémoire pour réfléchir ensemble et trouver des solutions communes. C'est pour cela que rendre hommage à des personnes comme Neus Catala devrait être compris comme un devoir. Rendre hommage à ce que Neus représente, c'est-à-dire toutes les personnes que l'histoire a placées en marge à cause de la guerre, de la haine, des dictatures, et qui ont dû lutter contre toutes sortes de manipulations pour conquérir sa mémoire. Toutes ces personnes méritent d'être sauvées de l'oubli, mais nous méritons aussi d'en récupérer le souvenir parce qu'elles font partie de notre histoire. Depuis la prison de Lledoners, où je me trouve en ce moment, je voudrais remercier la délégation du gouvernement de Catalogne, la mairie du 11e arrondissement et les amicales de Ravensbrück, de Catalogne et de France pour l'organisation de cette table ronde et la mairie de Paris, bien évidemment, pour l'hommage de ce matin. Mais surtout, je veux vous remercier vous tous pour être présents aujourd'hui ici pour commémorer le service que tant de femmes et d'hommes ont fait en faveur des libertés. Merci beaucoup. Bonjour, merci Monsieur Vauglin, maire du 11e arrondissement, merci Monsieur Camos, délégué du gouvernement de Catalogne à Paris, et merci aussi à la délégation du gouvernement catalan pour l'organisation de cet hommage à la Neus Catala. Alors je vais lire un extrait du livre de la résistance et la déportation, mais la version en français, c'est Ces femmes espagnoles, de la résistance à la déportation, témoignage vivante de Barcelone à Ravensbrück. Je veux le lire.
Nous étions environ 1000 femmes en provenance de tous les camps et prisons français, à arriver le 3 février 1944 à Ravensbrück, à 3 heures du matin, sous moins 22 degrés. C'était le convoi des 27 000. Nous avons fait notre entrée triomphale dans le monde de la mort, poussée avec brutalité par des SS armés de mitraillettes et leurs féroces chiens loups prêts à nous dévorer. C'était important. Ce fragment. Ceci, c'est un hommage à nos Catalans, femmes courageuses qui ont toujours osé dire la vérité, revendiquer la visibilité des femmes et aussi lutter pour défendre la justice et vaincre le silence. C'est un honneur pour elle, pour sa famille et aussi pour toutes les femmes antifascistes et toutes les femmes combattantes qui ont aussi aujourd'hui rendu un hommage. On doit remercier au public présent dans la salle, la fille de Neus, la famille, des amis, l'association, l'amicale de Ravensbrück et aussi nos 4 invités. Mercedes Justa, historienne, Ambra Lorenzi, la présidente du comité international de Ravensbrück, Elisenda Belenguer, historienne, et Tiffany Catalan, historienne aussi. On va converser avec toutes elles. Nous partageons tous les 100 un point en commun. Nous avons rencontré parler ou interviewer nos Catalans, chacun d'une manière différente et en différentes époques. Alors, on va parler première avec Mercedes Justa. Pour parler avec elle, je vais lire un peu son profil professionnel. Mercedes est docteur en histoire et en études hispaniques et agrégée d'espagnol. Elle est professeure d'histoire contemporaine de l'Espagne à l'Université Paris 8. Elle a fait de nombreuses recherches sur la résistance des femmes et les organisations féministes antifascistes en Espagne et en France, et aussi sur la résistance contre la dictature de Franco. À ce sujet, elle a publié beaucoup de monographies, articles scientifiques, et récemment, elle a co-dirigé et coordonné des livres collectifs, comme par exemple le Résistant militante citoyenne, l'engagement politique des femmes au XXe siècle. La résistance, c'est un autre livre, La résistance à l'épreuve du genre, hommes et femmes dans la résistance antifasciste en Europe du Sud. Et aussi encore le féminisme européen face au fascisme. Alors, Mercedes, on va parler avec des mouvements de femmes antifascistes depuis les années 30 en Espagne et en Europe. On va parler avec ça. Explique-nous un peu le mouvement. Oui. Merci, et merci Montserrat de cette présentation très généreuse. Et oui, en fait, on a pensé quand on a commencé à parler de cette table ronde que ça serait intéressant en fait, de replacer la trajectoire de Neus Català, qui, on est toutes d'accord, était une femme exceptionnelle, mais dans un contexte un peu plus large. Et parce qu'il y a eu d'autres femmes aussi très exceptionnelles de la même génération que Neus Català. Et il nous a semblé intéressant de comprendre quelle a été la socialisation de ces jeunes femmes, enfin des jeunes femmes dans les années 30, qui ont été politisées, socialisées et dans l'antifascisme très tôt. Et cet engagement qui est un engagement qui se fait tôt, il a été évoqué le fait que déjà adolescente, Neus Català était très militante et a organisé même une grève de la faim dans son village. Ça s'explique aussi dans ce contexte particulier des années 30. On rappelle en effet que l'Espagne en 1931 devient une démocratie, devient une république. Et en fait, ça se fait un peu à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Parce qu'au moment où l'Espagne devient une démocratie, une des plus avancées dans l'Europe de l'époque, le reste de l'Europe, une bonne partie de l'Europe, tombe dans des régimes autoritaires ou fascistes. Donc c'est un peu une exception européenne, cette Espagne qui devient donc démocratique et qui ouvre en plus les portes de la citoyenneté aux femmes. Ce qui est aussi quelque chose de très exceptionnel. La Constitution de 1931 accorde le droit de vote aux femmes. Et cela provoque aussi une politisation très importante des jeunes femmes en particulier.
Il y a des organisations qui se créent pour sensibiliser les femmes aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, et très tôt aussi aux valeurs antifascistes. Parce que donc il y a une sensibilité aussi à cette Europe où il se passe des choses qui sont très inquiétantes pour les militants de gauche espagnole. En 1933, il y a Hitler qui arrive au pouvoir en Allemagne, et la même année, la droite gagne les élections en Espagne. Et donc cela est perçu comme un signe préoccupant, une droite en plus qui n'était pas n'importe quelle droite, une droite dont on avait des doutes sur sa loyauté démocratique et sa loyauté envers la République, ce qui mobilise en fait les organisations de la classe ouvrière et les organisations antifascistes. Et déjà donc, dans cette même année, 1933, il y a des organisations antifascistes qui se créent au niveau européen, justement pour répondre à cet accès de Hitler au pouvoir en Allemagne, et qui sont des organisations qui ont été impulsées en partie par la Cominterne, mais où il ne faut pas non plus voir uniquement qu'une volonté de l'Union soviétique d'organiser ce type d'organisation de masse, mais qui sont des organisations qui rassemblent finalement assez largement dans la gauche de ce moment-là. Et donc se crée ce qu'on va appeler le comité contre la guerre et le fascisme à Paris en 1933. Et très vite, cette organisation va donner lieu aussi à une branche féminine, Femmes contre la guerre et le fascisme. Et les femmes espagnoles sont très vite associées, en particulier les communistes, à la création de cette organisation. En Espagne va se créer donc la branche féminine espagnole de cette organisation, Mujeres contra la guerra y el fascismo, qui célèbre son premier congrès à Madrid en juillet 1934. Et c'est une organisation très active qui va très vite monter des comités dans d'autres villes, dans d'autres provinces. On ne sait pas en tout cas moi je ne le sais pas, peut-être Elisenda a plus d'informations, si Neus Catala était directement en contact avec cette organisation. Toujours est-il qu'elle a joué un rôle très important dans cette socialisation politique, dans l'antifascisme de nombreuses jeunes femmes, au-delà du Parti communiste, qui était très minoritaire à l'époque, il faut le rappeler. Il devient un parti de masse pendant la guerre civile et pas avant. Donc c'est une organisation large où il y a des femmes de plusieurs tendances politiques, toutes unies par cette volonté de faire barrage au fascisme qui est perçu comme une menace au niveau européen et de protéger la paix aussi. C'est une organisation aussi pacifiste. Elle n'est pas seulement antifasciste, mais bon, c'est un pacifisme, disons, actif. Et en fait, cette organisation donc devient très active. Elle a un rôle aussi pendant la révolution de 1934, et notamment aux Asturies, ce qui provoque son interdiction par le gouvernement. Donc elle devient illégale et elle se transforme en comité pro infancia obrera, des comités qui s'occupent des enfants, des Asturies, des enfants dont les parents ont été victimes de la répression de ce mouvement révolutionnaire aux Asturies. Et elle réémerge en fait au moment des élections de 1936 qui vont être gagnées par le Front Populaire. À ce moment-là, elle est relégalisée et elle se rebaptise comme Agrupación de Mujeres Antifascistas, et elle a un rôle très important dans la campagne électorale de 1936, une fois de plus. Et à ce moment-là, bon, comme on sait, c'est le Front Populaire qui gagne les élections. Et on peut penser que cette mobilisation des femmes antifascistes a eu un rôle aussi dans cette victoire de la gauche, parce qu'elle a réussi quand même à mobiliser beaucoup plus les femmes qu'il n'a pas été le cas en 1933. Et donc Neus Catala fait partie de ces jeunes femmes qui ont grandi dans cette ambiance, dans ces années 30, qui étaient des années où il y avait une ambiance politique très intense, une polarisation politique très intense aussi. Et donc, je pense qu'il est intéressant de prendre la mesure de toutes ces organisations et activités pour comprendre pourquoi une femme, une jeune femme comme Neus, au moment où la guerre éclate, se sent l'obligation en fait de prendre part à ce conflit, comme d'autres jeunes femmes l'ont fait avec elle.
et se mobilise, est très militante. Et en fait, c'est des engagements qui vont l'accompagner et toute sa vie, et parce que toute sa vie, elle va surtout se reconnaître comme une femme antifasciste. Engagement qui va continuer après, à l'après-guerre, 1945-1946, une réorganisation des femmes antifascistes, très jeunes, étaient très jeunes, très engagées. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces mouvements à la période après-guerre? Oui, en fait, c'est un mouvement très intéressant. Elle était moins jeune déjà en 1945, parce que c'est sensiblement les mêmes. En fait, c'est très intéressant. En fait, c'est les mêmes femmes qui étaient des jeunes dans les années 30. Donc, elles ont traversé toutes ces épreuves. Elles ont fait la résistance en France. Elles ont été, pour certaines, déportées comme Neus. Et une fois que la guerre est finie, elles reviennent des déportations et elles se remettent, en fait, à militer, à réorganiser cette organisation de femmes antifascistes. Mais une fois de plus, ça se passe comme dans les années 30, c'est-à-dire qu'au début, ça se passe au niveau international. Il va y avoir une grande conférence de femmes à Paris, dans la salle Pleyel, c'est-à-dire les mêmes endroits où les femmes antifascistes avaient créé leur organisation dans les années 30. Donc il y a aussi une volonté de répétition, de rémémoration de ce mouvement antifasciste des années 30, et elles vont créer une nouvelle organisation internationale qui va s'appeler la Fédération démocratique internationale des femmes. Et une fois de plus, on trouve les mêmes, celles qui avaient survécu, bien sûr, Dolores Ibárruri, par exemple, qui va être vice-présidente de cette organisation. Et c'est surtout des femmes qui avaient fait la résistance et qui, pour certaines, avaient été déportées, qui font partie de cette organisation. Et la secrétaire de la fédération, c'est par exemple Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est une autre femme communiste qui avait été déportée aussi à Ravensbrück, si je ne me trompe pas. Non. Vaillant-Couturier, je pense que... Oui, elle était à Ravensbrück. Donc, et ces femmes-là, elles sont extrêmement conscientes de, bien évidemment, de tout ce que l'Europe a traversé à ce moment-là. Elle se pose comme objectif que jamais, et que cela n'arrive plus jamais, en fait. Et donc, elles vont créer cette organisation, surtout avec un but pacifiste. Et une fois que la guerre froide éclate aussi, elles prennent parti, enfin, une fois que l'Europe se divise en deux blocs bien délimités, c'est des femmes, évidemment, pro-communistes et pro-soviétiques de façon très, très affirmée. Elles prennent la défense de l'Union soviétique comme défenseur de la paix, qui était aussi la propagande soviétique de l'époque. Et cela explique en partie que la mémoire de cette organisation, qui a été en fait l'organisation de femmes la plus importante de la guerre froide, a été complètement évacuée des livres d'histoire. Et Neus Catalá fait partie de cette organisation. Et en fait, les femmes espagnoles en France, elles se réorganisent à la suite de la création de cette fédération. Et c'est à ce moment-là qu'elles créent la Unión de Mujeres Españolas, qui est la branche espagnole de cette fédération internationale. Et Neus Catalá, elle est dès le début au centre de cette organisation, où elle crée la Unión de Donas de Catalunya. Mm-hmm. Parce que les femmes catalanes, elles s'organisent avec une organisation autonome. Et Neus, elle avait très à cœur de dire qu'en fait, dans l'exil, il y avait surtout, il y avait majoritairement des femmes catalanes, puisque la retirada se fait par Catalogne et que beaucoup de femmes catalanes ont passé la frontière à ce moment-là, qu'elles étaient très actives et qu'il fallait qu'il y ait une reconnaissance de cette spécificité des femmes catalanes dans l'organisation de femmes antifascistes. Mercedes, tu as interviewé Neus Catalá l'année, je crois, 2002. 2002, oui. Comment l'avez rencontré-vous? Oui, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune, déjà. Et donc, j'étais en train de chercher des informations justement sur cette Unión de Mujeres Españolas, qui était une organisation où il n'y avait pratiquement rien d'écrit. En fait, je voulais écrire un livre qui, en effet, a été écrit par la suite. Donc, je suis allée voir Neus à Sarcelles.
Et moi, j'étais très jeune à l'époque, donc j'étais très impressionnée. J'avais lu le livre des témoignages de femmes dans la résistance et la déportation qui m'avait mis dans des états, j'avais le vertige de lire ces choses tellement horribles. Et donc, je m'attendais à trouver une espèce de femme très impressionnante et tout ça. Et j'ai rencontré un petit bout de femme très gaie et qui m'a fait une fille des voix. Parce qu'il m'a dit, toi t'es jeune, t'es loin de chez toi, tu dois avoir faim. Donc, elle a fait une fille des voix que j'ai mangée avec elle. Et ensuite, je l'ai interviewée. Donc, c'était très émouvant, très humain et beaucoup moins impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Elle m'a raconté énormément de choses, surtout sur cette période en fait, de l'exil. Et c'est grâce à elle que, en bonne partie, que j'ai écrit ce livre. C'est bien. Alors, on va parler aussi, on va retourner, parler des femmes. En ce moment, on va parler avec Ambra Lawrence. Elle est la présidente du comité international de Ravensbrück, photographe professionnel. Et aussi, c'est important, elle est fille de déportés, sa mère de Mireia Stanzioni, et aussi est petite fille de déportés, Nina Tantini. Les deux à Ravensbrück, hein, et tous les deux arrêtés en juillet 1944, elles ont souffert aussi les marches de la mort. Depuis des années, Ambra participe activement à la mémoire de la déportation et aussi accrue à ses sujets. Elle est membre du Conseil national de l'Association nationale des ex-déportés dans les camps nazis. Et en tant que photographe professionnelle, elle est professeure sur ces sujets. Elle a voulu l'appliquer à la création des productions éditoriales sur la déportation. Par exemple, elle a conçu et produit le DVD Les Roses de Ravensbrück, histoire des déportés italiennes, et aussi a publié le livre de photographique Ravensbrück, le lieu, le temps, l'histoire. Et aussi, elle a organisé l'exposition du catalogue qui s'appelle La résistance de la famille Baroncini. Ambra, explique-nous un peu, parle-nous un peu au sujet du comité international. Aujourd'hui, quel est l'objectif actuel et quelle est la plus difficulté actuelle du comité? Les défis du comité? Oui. Alors, le comité est né après une première réunion de les anciens déportés dans le 1946 à Prague. Et quand un petit groupe d'anciens déportés sont rencontrés l'idée c'est de conserver le camp, la mémoire du camp et la mémoire de les femmes qui sont mortes dans les camps, de leurs compagnons. Et leur activité est continue pour les années suivantes et jusqu'à le 1956, quand on a décidé de réaliser une mémorial dans les camps. Dans le 1959, le mémorial a été inauguré avec une grande participation de déportés, 1800 déportés de tous les pays sont arrivés à Ravensbrück pour le mémorial et aussi pour les musées. Donc, je crois que le lieu pour ce lieu pour les déportés a été toujours un lieu très particulier parce que dans ce lieu, on peut retrouver l'histoire qu'on a vécue, les choses qui ont souffert, tout qui est arrivé dans les camps. Et donc, il s'est retrouvé là, c'est un motif de
de trouver la personne qui peut comprendre ce qui est arrivé. Donc, avoir un mémorial pour la mémoire, ça a été très important. Et donc, le comité est né par elle. Et tous les années, le comité fait son réunion dans une différente cité d'Europe. Et jusqu'à 2 années, la présidente et le directif, c'est avec une ancienne déportée. Maintenant, nous avons un moment de transition parce que les anciens déportés, vous pouvez comprendre, c'est seulement 3 dans le comité et ne peut pas occuper une position qui est vraiment fatigante. Donc, le passage à la seconde génération, c'est normal. Mais n'est pas normal, n'est pas égal avoir une présidente ancienne déportée et un président de seconde génération. Il est vraiment une transition qui oblige tous nous à réfléchir sur les objectifs du comité et à réfléchir sur les relations entre toutes les déléguées du comité. Donc, c'est un moment pas facile, mais très stimulant. Je crois que maintenant, l'objectif principal du comité, c'est de pouvoir actualiser ce qui est arrivé dans le camp. Qu'est-ce que veut dire? Veut dire de pouvoir reconnaître le signal, reconnaître ce qui arrive aussi dans ces moments dans l'Europe avec des droites niées, avec des choses qui peuvent être dangereuses. Donc, l'objectif principal, c'est de reconnaître des signes qui peuvent être dangereuses. Notre objectif, c'est surtout ça, et surtout, c'est la capacité, la possibilité de parler avec les nouvelles générations de ce qui est passé, parce que nous savons que peut arriver encore. Je veux rappeler que Neus Català était la fondatrice de l'Amicale de Ravensbrück à Barcelone, qu'aujourd'hui il y a une délégation ici, l'année 2005, et aussi qu'après 30 ans de lutte, Neus obtiendra une cellule de la prison de Ravensbrück dédiée aux femmes espagnoles. Ça, c'est très important aussi. D'accord. Et je voulais vous demander, Ambra, vous êtes deuxième et troisième descendant de votre famille. Oui. Vous connaissez bien la douleur, le silence. Le silence est très important aussi dans la famille et la transmission des générations, les prochaines générations. Comment l'avez vécu, vous? Ça, c'est très important. Et le même... À Ravensbrück, il y a une réunion annuelle, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça, c'est une question pas débattue. Ce n'est pas une question dont on parle beaucoup. Mais je crois qu'il est une question très importante. Parce que la guerre n'est pas finie avec nos parents. La guerre a continué comme une ombre, comme a dit ombre, sur une ombre sur après leur expérience,
et une ombre qui arrivait aussi sur nous. C'est une question, vous pouvez comprendre, très délicate. C'est une question qui a beaucoup de faces, beaucoup de possibilités d'avoir un sujet et d'être compris. Mais je crois que maintenant, c'est le moment de prendre ces initiatives. À Ravensbrück, il y a toute l'année, on fait un forum. Il est organisé par Matthias Heil, qui est le responsable de la section pédagogique, qui fait une réunion avec la seconde et la troisième génération. Cette année, je suis là, et dans cette réunion, et il a été une sensation positive et très mouvant, parce que nous arrivons de beaucoup de pays d'Europe et nous ne connaissons pas avec l'autre. Mais dans ces moments, les micros que nous avons, ils passaient de l'un à l'autre et les personnes racontaient l'histoire. L'histoire d'une mère, nous sommes à Ravensbrück et donc on parle de la mère. Et on parle de la mère, de la dépression de la mère. On parle de moments de rabbia, de haine. Ok, de la mère. On parle du courage de la mère. Mm-hmm. On parle d'être très, très petite en front de la mère. On parle de n'être pas reconnue par la mère. On parle de beaucoup de choses. Chaque histoire, c'est une histoire différente. Mais je crois que sont toutes son histoire que nous devons écouter. Parce que nous devons écouter que quand il y a des situations comme il a été la déportation, qui a été une terrible, horrible situation, et elle ne finit pas avec la fin de la guerre. Et je crois que si nous pouvons dire, si nous pouvons raconter cette part de l'histoire, peut-être nous pouvons faire comprendre que ce qui arrive n'est pas seulement une chose qui commence et un jour est fini un jour. Et je crois que ça, c'est très important. Et l'année prochaine, il y aura une autre réunion et nous sommes en contact. Et je ne sais pas, il n'y a pas un objectif précis. Sinon, l'idée que nous devons parler. Effectivement, on va parler avec Ambra une autre fois, mais c'est très important le travail de toutes les associations et aussi le travail pédagogique des écoles pour que la transmission de la déportation aux la génération suivante. Alors, ce matin, a chanté ici à Paris Marina Rousseil. Oui, elle était à chanter à l'inauguration de l'allée néo-catalan. Nous lui demandons un petit peu venir ici. Elle a accepté. Et on va chanter.
Alhambra, c'est très émouvant comme tu racontes ton histoire, très émouvant. Adéu, rosa d'abril. Adéu, rosa encarnada. Demà, lluny del teu roser d'enyorament, em moriré. Quan et diran la meva fi, plora per mi, que per tu ploro. Plora per mi més dolçament que amargament, no és el teu plor. Plora per mi, no ploris gaire, per tu i per mi, jo que ja en sé bé, puc plorar millor. Plora per mi, no ploris gaire, per tu i per mi, jo que ja en sé bé, puc plorar millor. Per tu la persona, per la missió que abans m'ha saludat, que és d'Astúries, i per tu la persona que ha viscut la resistència, la deportació, perquè aussi la retirada. Una chanson anonyme anònima sobre la guerra civil espanyola. De la batalla de l'Ebre. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 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 Merci Marina. Ambra, tu veux dire une chose encore de Neus? Oui, je voulais dire seulement une chose. Parce que je crois que aussi que Neus, on a donné une importante leçon d'histoire.
parce que ce qu'elle avait su fait comprendre que la guerre en Espagne, la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale n'est pas de guerre distante, mais c'est la continuation de la même guerre. Et je crois que nous devons penser les guerres de la, d'où, 20e siècle ne sont pas différents, ne sont pas diverses, mais c'est la même guerre, parce que il y a en avant la dictature de Franco, puis il y a la dictature de Mussolini et le nazisme d'Hitler. Donc, je crois que nous devons penser comme ça. Et Neus, c'est, l'histoire de Neus, c'est ça. C'est la continuation de la même guerre. C'est vrai. Okay. Et alors, on va continuer à parler de Neus et des histoires et des expériences qu'elles ont vécues avec Neus Catalan. Tiffaine Catalan et Elisenda Belenguer. Je vais vous la présenter. Tiffaine est professeure d'espagnol à l'Université de Limoges et doctorante en études hispaniques à l'Université Paris 8. Elle est en train de finir sa thèse doctorate Les Espagnols dans la résistance au Limousin, parcours individuel et construction des identités 1940-1944. Ses recherches ont porté sur la présence des Espagnols dans cette région du centre de la France avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment leurs conditions d'accueil et de mise au travail forcé. À présent, elle se concentre sur les façons et les raisons pour lesquelles il et elle se sont engagés dans la résistance dans cette zone rurale éloignée de leur Espagne natale. Tiffaine. Alors, je vais présenter aussi Elisenda parce qu'elles vont faire une conversation, on va en parler. Elisenda, historienne, professeure de lycée et auteure de la biographie Neus Catalan, Memoria Lluita, Neus Catalan, Mémoire et Lutte. Son domaine d'étude se centre sur la mémoire orale et historique de femmes et sa lutte contre le fascisme. Grâce au témoignage de Neus, elle revendique sur autres femmes, comme l'anarchiste Concha Pérez, a participé, Elisenda, à beaucoup de livres sur la mémoire historique de femmes connues des quartiers de Barcelone. Elle a aussi publié la biographie de celle qui fut la secrétaire de la femme, Aurora Gómez, dans un des syndicats les plus importants de Catalogne. Elisenda Belenguer est en train de créer le site, le web neuscatala.cat. Elle a connu et partagé, ça c'est très important, elle a connu et a partagé avec Neus Catalan pendant 15 ans. Ça c'est très important, tu le connais bien à Neus Catalan. Et tu as partagé beaucoup d'expériences avec Neus Catalan. Mais Elisenda, comme Tiffaine, elles étaient justement à Limoges, participant à une conférence quand elles ont appris le décès de Neus. Tiffaine, tu peux nous raconter ces moments? Oui, c'est un peu particulier pour nous de nous retrouver à nouveau là pour parler de Neus, puisque la dernière fois qu'on était ensemble à une conférence pour parler d'elle, c'était le 13 avril 2019 à Limoges, à l'invitation de l'association locale qui s'appelle l'Ateneo Republicano du Limousin. Et on avait commencé en disant qu'on avait beaucoup craint cette journée, puisqu'on savait que Neus n'allait pas bien, mais que voilà, elle était immortelle et que donc tout allait bien. Et malheureusement, quelques heures plus tard, on a su que c'était précisément au moment où Elisenda racontait comment elle avait toujours lutté. Et précisément, on était à Limoges, à l'endroit où elle a été donc emprisonnée avant d'être déportée. Et alors, Elisenda, tu te rappelles de ces moments? Sí, bueno, buenas noches, bonsoir. Primeramente, disculpas por no hablar en francés, no puedo hablar. Me traducirá Tiffaine. Sí, claro que recuerdo ese momento. Estoy tranquila porque me pude medio despedir de Neus, pero fue la misma Neus y su hija Margarita quien me dijeron, no, ves a Limoges a hacer la conferencia. Lo que no sabíamos ni Tiffaine ni yo es que
Neus moriría justamente a la misma hora en la que estábamos dando la conferencia. O sea, cuando explicábamos su vida, no sabíamos que se estaba, que se había muerto. Nos enteramos al final de la conferencia. Y por eso estoy tranquila, porque una frase que muy importante de Neus, que noveló la escritora Carme Martí, es: la única muerte que le preocupaba a Neus era la de la memoria. Entonces, claro, que pasara eso en ese momento para mí fue muy significativo y me quedé muy tranquila porque se estaba cumpliendo su gran deseo. Donc elle a commencé par s'excuser de ne pas s'exprimer en français et donc elle complétait en disant que elle était venue un petit peu tranquillisée à Limoges à cette semaine-là, puisqu'elle avait pu voir Neus avant de partir. Et Neus, comme sa fille Margarita, lui avait dit qu'il fallait aller à Limoges, qu'il fallait aller faire cette conférence. Et donc elle avait pu lui dire au revoir en quelque sorte. Et surtout parce que faire cette conférence, donc elle l'a redit au moment où on parlait, on ne savait pas ce qui s'était passé, on l'a appris à l'issue. C'était donc faire cette conférence, c'était faire en sorte que la crainte de Neus ne se réalise pas. Donc sa crainte qui était, elle disait qu'elle n'avait pas peur de mourir, mais simplement que meure la mémoire. Et donc en faisant cela à ce moment précis, on essayait de faire survivre la mémoire. Lucinda, il faut revenir dans le temps. Comment avez-vous connu Neus Català? Yo conocí a Neus Català en el 2005. Justamente en un momento muy importante políticamente en Cataluña, o más que importante, de cambio, porque era un momento en Cataluña y en España de gobiernos, podríamos decir, de izquierdas, y por tanto fue la primera vez que políticos del gobierno español y políticos del gobierno catalán hicieron los primeros peregrinajes oficiales a los campos de concentración nazis para reconocer que habían habido catalanes, catalanas, españoles, españolas deportados a los campos nazis. La conocí en ese momento tan importante del memorial que se creó, el Memorial Democrático en Cataluña, de recuperación de la memoria histórica, y entonces la conocí concretamente unos meses después en ¿quieres? Donc elle a rencontré Neus en 2005, à un moment important pour la Catalogne, qui vivait de grands changements politiques à l'époque, à un moment où les politiques, les gouvernements catalans et espagnols participaient pour la première fois au pèlerinage dans les camps, notamment pour y faire reconnaître qu'il y avait donc des Catalans et des Catalanes, des Espagnols et des Espagnoleux, qui avaient été déportés. Et donc c'est à cette époque, en 2005, où il y avait aussi donc la création du Mémorial démocratique et d'autres démarches, qu'elle a connu Neus. Y concretamente la conocí en un día muy importante de su vida, que fue que el municipio del ayuntamiento de Premià de Dalt, un municipio en el Maresme, no sé si lo conocen, al norte de Barcelona, por primera vez la invitaba después de 60 años a volver a ese pueblo para agradecerle su intensa tarea, su importante tarea en la retaguarda de la guerra civil republicana, su tarea de jefe sanitaria, de enfermera, jefe de la colonia de niños refugiados, ¿no?, que ella dirigió durante la guerra civil. Por tanto, pues la conocí en un momento muy importante. Donc elle a rencontré en 2005 à un moment très important pour elle, parce qu'elle l'a rencontré à Premià de Dalt, qui est donc une petite ville au nord de Barcelone, à un moment où la municipalité de cette ville venait d'inviter pour la première fois Neus, après plus de 60 ans, à revenir dans ce village pour la remercier du travail très important qu'elle avait mené dans ce même village, en prenant soin donc d'une colonie d'enfants réfugiés, donc un travail important de l'arrière-garde. Vous pouvez partager avec nous quelques moments, quelques pensées de Neus Català et ses victoires, par exemple. La première, peut-être, quand Neus était petite. Elle est une femme courageuse avec 7 années seulement, n'est-ce pas, Lisenda? Sí. Bueno, esta mañana su hija ya ha explicado su primera, cuando en la inauguración de la calle de la Neus Català, ha explicado que ella con 14 años ya era feminista y de clase obrera, porque hizo una primera vaga para equiparar su sueldo en el campo de jornalera a los hombres. Pero yo quería explicar una pequeña anécdota
que es que siempre me ha quedado muy grabada, que cuando era muy pequeña, y ayudaba a su padre de campesina, ayudando a su padre, está muy orgullosa de lo que primero está muy orgullosa en su vida, es de haber conseguido levantar un, no sé si conocen, un margen de piedra seca, que esto es muy típico en el paisaje mediterráneo, ¿no? Para separar los bancales. Y entonces estamos orgullosas porque es un trabajo que hoy en día es un patrimonio histórico esto, ¿no? Se colocan las piedras y es muy difícil de construir. Está muy orgullosa de este primer triunfo. Donc ce matin, Margarita, sa fille, nous a rappelé que Neus, très jeune, avait donc lancé une grève féministe et ouvrière pour demander l'équivalence de salaire à travail égal, salaire égal. Mais Elisena, elle voulait revenir sur quelque chose de plus ancien encore. Un des premiers souvenirs dont Neus lui avait dit être très fière, elle avait à peu près 7 ans, elle travaillait avec son père au champ et elle seule avait réussi à monter un mur de pierre sèche. Qui aujourd'hui donc sont classés comme patrimoine historique en Catalogne, sont d'ailleurs représentatifs du paysage méditerranéen en France aussi, et donc elle en est très très fière d'avoir fait ce travail toute seule. On peut parler de beaucoup de victoires de Neus Català. Par exemple, à notre victoire de Neus Català, le petit de la colonne Negrin. Sí, bueno, esto fue una gran victoria. Ella siempre dice que bueno, siempre se dice que ella salvó, ¿no?, a los 180 niños, algunos huérfanos, otros no, refugiados de la colonia, que eran procedentes de Madrid, Asturias, País Vasco. Estos niños, ella dice, se dice que los salvó, se los salvó de haberse quedado en la España de Franco y haber recibido una educación franquista. Los salvó, los llevó al exilio. Pero ella siempre dice que ellos, estos propios niños, la salvaron a ella, porque a lo mejor ya saben que, bueno, que en ese momento de exilio, pues las autoridades francesas llevaban a muchos de los refugiados a los campos de concentración de las playas de Argelés, Barcarès, etc. Y ella siempre dice que a lo mejor, gracias a llevar tantos niños a su cargo, pequeños, pues ella tuvo la suerte de no ir a parar a esos malditos campos, sino de la llevaron a la zona de la Dordoña, donde los recibieron la población francesa campesina de esa zona de la Dordoña y del Perigord, los trataron muy bien y acabó pues en un refugio, en un antiguo castillo medieval, y allí estuvieron mucho mejor. Donc l'une de ses victoires, ça a été aussi de faire passer en France les 180 enfants de la colonie de Premier d'Edad, donc des enfants réfugiés. Certains étaient orphelins, mais pas tous. Ils avaient été sortis de Madrid, des Asturies, enfin des zones de combat. Et donc Neus les a accompagnés en France et elle disait toujours qu'elle les avait sauvés, qu'elle les avait sauvés de rester en Espagne où ils auraient reçu une éducation franquiste. Mais elle disait aussi toujours qu'eux l'avaient sauvée, elle, lui avait évité les camps de concentration français qui se trouvaient à l'époque, notamment à Argelès et sur les plages du sud de la France, puisque en passant la frontière avec eux, elle a été directement envoyée en Dordogne, où la population rurale et paysanne les a relativement bien accueillis. Ils ont été placés dans un château, alors un château médiéval, hein, pas un manoir, mais avec pas de fenêtres et des choses comme ça, mais au moins ils n'étaient pas dans un camp. Tiffaine, pendant tes recherches, tu as parcouru la route de Neus Català par le Périgord, la Corrèze. Racontez-nous ça. Oui, alors j'ai pas tout fait, mais bon. J'ai fait un petit morceau avec oui. Margarita, justement. Avec Margarita, sa fille, et des enfants. Enfin, ils n'étaient plus enfants forcément en 2017, mais ils étaient enfants à l'époque du village de Turnac. Ils nous ont ramenés sur les lieux, ils nous ont montré la maison où avait vécu Neus avec son premier époux Albert. Ils nous ont montré le lieu où était le maquis, ils nous ont expliqué le jour de l'arrestation. Et c'était assez émouvant. C'était des gens qui n'avaient donc qui avaient un certain âge, on va dire, mais qui continuaient de parler avec les yeux des enfants qu'ils étaient quand ils ont connu Neus. Donc ils avaient, je crois, Margarita, tu me corrigeras, mais 6 et 10 ans, quelque chose comme ça, quand ils l'avaient connue, et ils continuaient de parler d'elle comme s'ils avaient 6 et 10 ans, en l'admirant totalement, et ils étaient très contents de pouvoir nous montrer tout ça. Donc ça avait été un très beau moment.
Il se rappelle au village là-bas à Turnac, tout le monde se rappelait très bien de Neus. Il y a une autre victoire de Neus, et participer à la résistance, survivre à la déportation, aider des femmes dans les camps nazis, ça c'est très important. C'est une autre victoire de Neus Catalan. Et aussi une autre, avoir des enfants. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Vous pouvez raconter ça, oui. Sí. Bueno, sí, esto pues ya saben que en los campos de exterminio nazis se hacían experimentos médicos, se experimentaba con las deportadas y bueno, a Neus concretamente saben que ella pasó la selección, es decir, la consideraron buena para trabajar, para producir para la industria nazi y entonces ellas les inyectaban para esterilizarlas, para hacerlas más productivas y entonces ella pensaba que no tendría, bueno, estuvo un tiempo sin tener la menstruación y entonces una de sus grandes victorias es haber acabado teniendo, después de la liberación, habiendo tenido dos hijos, están aquí presentes, Margarita y Luis. Oui, donc l'une de ses victoires avait donc été de réussir à avoir des enfants parce que, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais les nazis ont profité des camps de concentration et d'extermination pour faire des expérimentations médicales. Et Neus avait donc passé ce qu'ils appelaient la sélection, elle avait été reconnue apte à travailler, on l'a dit déjà ce matin, elle a été envoyée donc après dans un commandant de travail, mais ils leur injectaient différentes substances pour les stériliser et les rendre plus productives. Et donc ensuite, pendant longtemps, elle n'a pas eu ses règles, elle a pensé qu'elle n'aurait jamais d'enfants, et finalement, elle a eu deux enfants et donc, qui sont présents ici, et elle a vécu comme une autre victoire. Oui, et encore une autre victoire, et c'était recueillir les témoignages de toutes les femmes qu'elle a frappées à la porte pour les connaître, et c'était des femmes combattantes. Vous voulez commenter quelque chose sur ce sujet de le livre de Neus Catalá, par exemple? Bueno, sí, supongo que ya se ha dicho en varios momentos de esta noche, una de las... quizás de las tareas más importantes que nos ha transmitido, que nos ha proporcionado Neus, ella, gracias a su labor como historiadora, ¿no? De manera voluntaria, pues ella se recorrió en los años 60, ¿no? Todos los departamentos, no, todos quizá no, pero una buena parte de los departamentos de Francia, buscando testimonios, entrevistando a mujeres que habían pues estado en el exilio, algunas, bueno, principalmente mujeres republicanas, españolas, que habían ido al exilio, otras que eran de la antigua emigración económica y que habían estado en la resistencia y algunas habían acabado deportadas en los campos nazis. Entonces, su gran labor fue publicar un libro con su testimonio, que ya se ha dicho el libro, no lo voy a repetir, el testimonio de Neus, y ella, pues en este libro hay 50 testimonios de otras mujeres y de algunos comandantes de las guerrillas españolas para testimoniar pues todos estos, ¿no?, estos testimonios. Entonces ella, gracias a este libro, empezó a hacer un memorial, un listado, digamos, para censar, es decir, para tener como un censo y un listado, un memorial de todas estas mujeres, ¿no? Porque unas mujeres hablarán de otras más extraordinarias, ¿no? Para intentar localizar el máximo de mujeres posibles. Donc, Neus a fait travail d'historienne, en fait, puisque dans les années 60-70, elle a parcouru une grande partie des départements français pour retrouver des femmes espagnoles exilées, essentiellement des exilées républicaines, mais aussi certaines de l'émigration économique antérieure, qui avaient donc pris part à la résistance et à la déportation, pour d'une part recueillir leurs témoignages, ce qu'elle a fait, et ça a donné lieu au livre dont on a parlé tout à l'heure, qui a finalement été publié en France en 1994, mais aussi pour créer ce qu'elle a appelé elle-même le mémorial, qui est donc une forme de recensement qu'elle souhaitait exhaustif de toutes les femmes espagnoles qui avaient pris part à la résistance, puisque chaque fois qu'elle en interrogeait une, elle lui citait d'autres femmes espagnoles que celle-ci considérait comme plus extraordinaires. Donc elle a essayé, voilà, de faire cette liste et de les localiser. Pour terminer, je vais dire aussi que Neus Catalá luttait pour la visibilité des femmes. Et je veux rappeler un homme, Conchita Granger, parce que je l'ai connue, c'était une femme fantastique. Et
elle n'a pas, n'a pas eu connu, presque jamais. Mais Neus luttait aussi, toujours, pour la visibilité des femmes. On peut rappeler Conchita Rangy et des autres noms de femmes que personne ne connaît. Alors, pour terminer, Neus a créé l'Amicale de Ravensbrück, qui sont ici, association très active, qui est le reflet de son esprit combattante. Je crois que Lisenda voulait dire quelque chose au sujet de l'Amicale de Ravensbrück. Oui. Non, simplement que hemos pensado con Montserrat de, bueno, de leer un poco el principio del discurso que ella leyó en la presentación de la Amical para que un poco se entienda, ¿no? los objetivos. Todo lo que hago parte del juramento que nos hicimos en el momento de la liberación de los campos de la muerte, todas las deportadas y deportados, que mientras viviéramos explicaríamos todo lo que habíamos visto y sufrido. Las razones son las mismas que me llevaron a defender la República Española, mi amor por la paz, la libertad, la tolerancia y la justicia social. Et donc, pour plutôt que de parler de plutôt que de parler de l'Amicale de Ravensbrück, Lisenda souhaitait vous lire donc le message, enfin le début du discours que Neus avait elle-même lu à une réunion de cette Amicale, qui donc elle disait tout ce que nous faisons part de la promesse que nous nous sommes fait au moment de la libération des camps de la mort. Toutes les déportées et tous les déportés, que tant que nous serions en vie, nous expliquerions tout ce que nous avions vécu et souffert. Les raisons sont les suivantes. C'est écrit en catalan sur son cahier. C'était les mêmes raisons que celles qu'ils avaient amenées à défendre la République, son amour pour la paix, la liberté, la tolérance et la justice sociale. Et si je peux ajouter juste une chose, moi quand j'ai interviewé Neus, je suis la dernière d'entre nous toutes à l'avoir interviewée, j'ai passé une semaine avec elle et Margarita à Guillamet. Et de cette semaine, j'ai retenu deux choses, mais la principale, c'est que Neus riait beaucoup, se moquait beaucoup de nous qui ne comprenions absolument rien à ce qui s'était passé pendant la résistance parce qu'on était bien trop jeunes. Mais surtout, tout était très évident. Par exemple, on lui a demandé plusieurs fois pourquoi elle s'était engagée. Elle nous répondait parce que j'étais résistante. Ça coule de source, en effet. Et quand on lui demandait pourquoi elle était résistante, elle s'est agacée. Elle nous a dit, mais enfin, parce que j'étais antifasciste, ça fait 150 000 fois que je vous le dis. Voilà, c'était ça, Neus. C'est très bon. L'humeur était très importante dans la vie de Neus. Je vais seulement nommer quelques livres importants au sujet de la vie de Neus Català. Ce sont Neus Català, Memoria Lluita, de Lisenda Belenguer, aussi de Marc Trayero, Neus Català, La mujer antifascista en Europa, Les femmes antifascistes en Europe, et le roman de Carme Marti, aussi est ici, Un ciel de plomb, et la version en espagnol de La Paloma de Ravensbrück. Aussi, la reconnaissance de Neus avec les années a grandi en Espagne et en France jusqu'à aujourd'hui, ce matin, l'un des plus importants, la médaille Grand Vermeil de Paris. Alors, je vais demander au public s'il veut poser quelques questions. Il y a quelques personnes du public. D'accord. Bonsoir, je suis membre du CDR à Paris et donc d'abord respect à la mémoire et à la combattante Neus Català. J'ai deux questions à poser, je vais m'asseoir, je serai plus à l'aise pour le faire. Donc Neus Català était membre du PSUC, Parti Socialiste Unifié de Catalogne, qui était la section catalane de l'international communiste stalinisé. Et je voulais savoir si dans ses mémoires, Neus Català a évoqué cette période de 36-39 où le stalinisme a joué quand même un rôle très important, très négatif dans les rangs républicains. Rappelons-nous l'assassinat d'André Snin, de militants socialistes ou trotskistes. Donc est-ce qu'elle l'a évoqué
dans les dernières années cette question. Et la deuxième chose que je voulais poser, j'ai vu que Neos Catala a voté au moment du référendum, donc pour la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Et je voulais savoir quel était son point de vue donc sur ce qui se passait en Catalogne, notamment la déclaration de la République catalane, et voilà, quelle était sa position sur cette question importante. Bon, je vais peut-être répondre dans la mesure où on peut répondre à la première partie de la question et Lisenda répondra à la deuxième, parce que en fait c'est une question un peu difficile, puisque en fait Neus Catala elle n'arrive à Barcelone qu'en 37. Et c'était une très jeune femme, donc elle ne parle pas dans ses mémoires de ces événements, parce que probablement elle ne les a pas vécus de la même façon qu'on les a remémorés par la suite. Et c'est évidemment des événements qui ont eu une très grande importance pour beaucoup de choses, pour la division dans le camp républicain, probablement aussi pour la défaite dans la guerre, etc. Mais pour une militante qui avait à peine 20 ans à l'époque et qui en plus était infirmière et qui avait d'autres tâches en ce moment, je ne pense pas qu'elle les a vécues de façon aussi intense que nous, on peut le remémorer par la suite. Et je précise aussi qu'André Ounin, il n'était ni trotskiste ni socialiste, il était communiste orthodoxe, il était membre du POUM, communiste hétérodoxe, pardon. Oula, j'ai fait une erreur fatale. Bon, mais il n'était pas, il était très admirateur de Trotsky, mais il ne se considérait pas comme trotskiste. Et pour la deuxième partie de la question, je laisse la parole à Lisenda. Si quieres que diga algo yo también. Bueno. Merci. Oui, en ce qui concerne la deuxième question, ma mère n'était pas pour l'indépendance, elle était pour un État fédéral, mais elle voulait voter parce qu'elle disait que c'était le droit des Catalans de pouvoir exprimer leur avis, que c'était une question de démocratie tout simplement, comme les Écossais ont voté par exemple, et il ne s'est rien passé d'extraordinaire, personne n'a crié au loup. Donc elle a voulu voter, elle a voté contre l'indépendance, mais elle a voulu voter. Et elle disait, si les Catalans votent pour l'indépendance, c'est la démocratie, ça ne me plaira pas, mais je m'y plierai, parce que c'est la démocratie. Voilà. Oui, je voulais juste apporter une précision sur le PSOUK. Quand le PSOUK a été créé, ce n'était pas un parti communiste, le PSOUK, au départ. Non, pas du tout. Le PSOUK a été créé comme la réunion de la Fédération de Catalogne du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, la Fédération de Catalogne du Parti Communiste d'Espagne, un autre groupe socialiste qui était dissident du PSOE de Catalogne parce qu'il était plus catalaniste, et un quatrième groupe qui s'appelait le Parti de Català Proletari. Donc c'est une fusion de quatre groupes qui n'est pas du tout à l'international communiste au départ, pas du tout, non. La demande a été faite vers la fin de la guerre. Elle n'a pas prospéré beaucoup d'ailleurs, puisque l'international communiste a été dissoute quelques années après. Mais la fondation du PSOUK, c'est un parti, c'est comme s'il y avait le PSOE qui avait disparu de toute l'Espagne, comme ça s'est passé pour les jeunesses, par exemple. Les jeunesses socialistes espagnoles du PSOE ont disparu en avril 1936, et elles ne se sont reconstituées que dans les années 50 et quelques, il n'y avait plus de jeunesse socialiste. Donc, je termine en disant que les gens qui étaient socialistes d'idées, c'est-à-dire pas communistes, en Catalogne, ils n'avaient pas disparu, ils étaient dans le PSOUK. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, il est sur la plaque, la prison de la santé, il s'appelle Conrad Miret et Mousset, il était au PSOUK, mais il n'était pas dans la fédération PSOE de Catalogne, il n'était pas dans la fédération PSOE de Catalogne, il était dans le groupe socialiste autre qui s'était regroupé. Et il a été le premier chef des groupes armés de la MOI qui lançait des bombes en août 1941.
Voilà, et donc dans le livre de Neus, dont on parle peut-être pas assez ce soir, il n'y a pas assez de temps, du contenu, ce qui est très important dans l'autre recueil qu'elle a fait, c'est que beaucoup de ces femmes qu'elle a interviewées, une dizaine d'entre elles sont arrêtées entre le printemps 42 et le printemps 43, la moitié d'entre elles sur Paris, et ce sont des femmes qui ont lutté avec une idée de front, la même chose qu'elles avaient connue en Espagne. La jeunesse de Neus Català, ça a été de connaître cette idée de front où, en Catalogne, c'était plus avancé qu'en Espagne en général, puisqu'il n'y avait plus la différence entre les socialistes et les communistes en Catalogne. C'est une donnée historique, mais alors, tout de suite, vous pouvez le vérifier sur les livres qui parlent de l'histoire de la création du PSOUK, qui s'est créée donc vers le 27 juillet 36. Moi, je voulais juste demander, parce qu'il y avait le livre de Montserrat Roche sur Mauthausen, et à peu près, on savait qu'il y avait à peu près 20 000 Catalans qui ont été déportés à Mauthausen et 2 000 survivants. Je voulais savoir si à Ravensbrück, avec Mauthausen, ce sont des hommes, je voulais savoir si à Ravensbrück, on sait à peu près le nombre de déportés espagnols et catalans à Ravensbrück et combien sont revenus. Est-ce qu'on a une notion du nombre? Je voulais juste demander ça. À Ravensbrück, il n'y a pas le nom de tous les déportés. Il y a le nom de déportés tués qui sont morts. Il y a un grand livre avec tous les noms de femmes qui sont mortes. Mais il n'y a pas le nom de tous les déportés exposés dans le camp. Il y a dans les archives, il y a dans les documents, mais pas dans les camps, pour ceux qui sont retournés. Creo que la tarea de la amical de Ravensbrück española han censado 119 mujeres, no están las representantes, 119 mujeres censadas realmente gracias al memorial, ¿no?, y al testimonio. Oui, mais chaque pays a fait la liste de ses déportés. Aussi l'Italie, aussi des autres pays. Donc, mais dans les camps, il n'y a pas la liste de toutes les déportées. Ok. Oui, bonsoir. Je voulais savoir les survivantes espagnoles de Ravensbrück. Est-ce qu'elles ont été où sont-elles, dans quel pays sont-elles allées? Parce qu'elles ont été, elles sont venues beaucoup en France. Comment elles ont été accueillies en France? Où sont-elles allées dans d'autres pays? Est-ce que l'on sait si elles se sont réunies, si ce qu'elles sont devenues? En fait, à la libération de Ravensbrück, comme des autres camps, il y avait la question de où il fallait rapatrier les personnes. Pour ce qui est des Espagnols, hommes et femmes d'ailleurs, hein, pas seulement celles de Ravensbrück, ça s'est posé aussi pour Mauthausen. La plupart ont été rapatriés en France parce que la très immense majorité a été déportée de France. Il ne faut quand même pas l'oublier. Certaines sont passées par la Suisse, mais la plupart ont été ramenées en France parce que c'était de là d'où elles étaient parties et elles ne pouvaient de toute façon pas être rapatriées en Espagne. Enfin, la situation politique ne le permettait pas. Je pense que c'est une écrasante majorité. Après, il y a peut-être eu des réémigrations postérieures, mais sur l'immédiate libération du camp, les rapatriements se faisaient par la France, en passant parfois par la Suisse, mais... Moi, je ne vais pas répondre de façon générale, mais je peux raconter une anecdote que m'a raconté Neus. Quand elle a été rapatriée, à un moment, elles ont dû repasser la frontière pour repasser en France, la dernière frontière. Et il y avait là des infirmières de la Croix-Rouge française, dont une lui a dit bah, « si vous étiez restée chez vous, ça ne vous serait pas arrivé ». Je suis très contente que l'on parle de la FDIF qui a complètement disparu. Mais je sais de famille, puisque ma maman est partie dans le même convoi que Neus Català, elle a suivi le même chemin, mais au lieu d'aller
à Oléchène, elle a été dans un autre commando qui s'appelle Jevodao. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est les survivantes, évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles ont toujours parlé de leurs camarades qui sont partis, qui sont restés dans les camps. Mais les survivantes ont continué leur combat et je trouve qu'il y aurait un travail effectivement à faire, historique, sur la Fédération démocratique internationale des femmes, parce que ça a été un élan de survie d'abord pour ces femmes, et elles se retrouvaient toutes ensemble. Il ne faut pas oublier que c'était l'Europe avant l'heure, et les droits des femmes se sont constitués, ont été réfléchis internationalement dans ce lieu. Juste un mot, et je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, c'est une organisation fascinante et qui a fait un travail énorme et un travail féministe qui n'a jamais été reconnu. Et d'ailleurs, très peu de gens savent que l'initiative de proclamer l'année 1975 année de la femme part de la Fédération démocratique internationale des femmes. C'est une initiative qui a été présentée à l'ONU par cette organisation qui avait un siège consultif dans ce qu'on appelle le Conseil économique et social, je crois, de l'ONU. Enfin, je ne me souviens plus si c'est exactement le nom. Bon, bah, vous allez me donner vos coordonnées tout de suite, tout à l'heure. Mais oui, nous sommes plusieurs historiennes au niveau européen qui nous intéressons à cette fédération, et il y a une historienne néerlandaise qui est en train d'écrire une grande histoire de la fédération, donc on l'attend avec impatience. Oui, je souhaiterais apporter quelques précisions sur ce qui a été dit. Il est important de préciser que Ravensbrück était un camp de destination des résistantes françaises, et que par conséquent, seules toutes les républicaines espagnoles qui ont atterri à Ravensbrück étaient des personnes qui avaient été arrêtées en leur qualité de résistantes françaises. Parce que les autres, d'abord, il y a eu très peu de femmes qui ont été arrêtées elles n'avaient pas participé à la résistance française. Par contre, il y a eu beaucoup d'hommes, et les Espagnols républicains ont surtout été les hommes envoyés à Mauthausen. Donc il faut préciser que les républicaines espagnoles qui sont allées à Ravensbrück, c'est uniquement des républicaines qui étaient engagées dans la résistance française. Et notamment la maman de Marie-Christine, qui est mon épouse, qui a été arrêtée, qui a passé 8 mois à Mauthausen après... À Ravensbrück, ensuite elle est allée à Hanovre, et finalement elle a été libérée par les Anglais à Bergen-Belsen. D'ailleurs, je présume qu'elle devait être à Bergen-Belsen lorsque le mari de Albert Roger est décédé apparemment à Bergen-Belsen, et il est possible qu'ils aient coïncidé à ce moment-là. Je ne sais pas à quel moment il est décédé. Enfin, je ne connais pas l'histoire de votre papa. Hein? D'accord. Alors, donc, je voulais apporter cette précision. Je voudrais également expliquer un élément important. Il y a exactement un an, un organisme allemand nous a contacté grâce à un jeune historien asturien des Asturies qui habite à Francfort, et donc on nous a contacté pour remettre à ma femme et à son frère les bijoux que ma belle-mère portait au moment de son arrestation, à savoir une montre et une bague. Ces éléments nous ont été remis le 15 décembre 2018,
Et lorsque j'ai demandé à la directrice de cette institution allemande pourquoi vous avez mis autant de temps à nous contacter, à nous remettre ça. Et on nous a dit parce que nous rencontrons de très grandes difficultés à localiser les descendants des déportés, des femmes et des hommes déportés dans les camps de concentration nazis. Parce que l'État espagnol est le seul État qui ne collabore pas avec notre institution et qui ne nous apporte absolument aucune aide pour retrouver les descendants. Et les descendants sont essentiellement retrouvés par ce jeune historien des Asturies qui s'appelle Antonio Muñoz, qui est un garçon extraordinaire, hein, et que ce garçon nous envoie régulièrement les listes de personnes qu'on recherche, que les institutions allemandes recherchent pour pouvoir leur remettre les objets de leurs parents et qui sont toujours dans des archives à Bad Arolsen, hein, dans le nord de l'Allemagne. Je pense que c'est un élément important de préciser l'attitude de l'État, de la soi-disant démocratie espagnole vis-à-vis de la mémoire de tous ces républicaines et républicains qui non seulement sont morts dans des camps de concentration, mais qui ont lutté également pour la liberté des autres pays, et notamment de la France. Juste puisque vous... Je m'excuse. Un tout petit mot très rapide. Vous parliez de précision. Vous avez dit toutes les femmes qui ont été à Ravensbrück étaient des résistantes françaises. Non, c'était toutes des résistantes en France, arrêtées en France. Eh oui, mais elles n'étaient pas toutes françaises. Et ce n'est pas tout à fait pareil. En France, dans la résistance en France. Mais c'est pas, elles n'étaient pas toutes françaises. Oui. Mais elles... Oui. Non, dans les mouvements de résistance en France. Et dans le cas de Neus, d'ailleurs, elle a été déportée sous une identité francisée, hein, puisqu'elle a été déportée sous la version française de son prénom qui est Neige et son nom d'épouse qui était Roger. Donc voilà, et c'était juste pour ça. Et deuxième précision que Margarita voulait apporter, Albert Roger n'est pas son papa. Teresa de Loyo. Je m'excuse parce que je ne suis à la salle au moment de la question. Et les historiens disent qu'à Ravensbrück ont passé 250 femmes de l'Espagne. Passées parce qu'elles arrivent et après elles allaient au camp de travail. De ces 250 femmes, toutes arrivent et sont politiques. Les rectangles rouges, elles sont définies comme rotes espagnoles. Toutes pour avoir participé à la résistance au nazisme. De ces 250 femmes, notre amicale de Barcelone, il y a travaillé avec plusieurs historiens. Et nous avons identifié avec son vrai nom et sa face alrededor de 100 femmes. Je l'ai dit que tout est en entrée comme résistant.
Et c'est très difficile la localisation de ces femmes parce que toute la documentation à l'Espagne et la documentation officielle, c'est avec son nom de famille. Et à la France, elles prennent le nom de mari. C'est très difficile. Et c'est tout, je pense. Merci beaucoup. Il y a une dernière question? Non. Alors, vous voulez dire quelque chose pour terminer? Ben, si. C'est bien. Alors, pour terminer, merci à tous les publics ici, et dire, remémorer une phrase de Paul Éluard. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Bonsoir. Seulement une chose, Teresa de Loyo, secrétaire de l'Amicale de Ravensbrück à Barcelone, m'a demandé de dire que des survivants espagnols de Ravensbrück ont été 77. Bonsoir.